Salut les gens, on se retrouve dans cet épisode pour aller vérifier la nourriture. On est le dernier week-end de février. Je suis déjà passé il y a 3 semaines, 1 mois pour vérifier la nourriture des abeilles. Je fais ce geste-là parce qu'en fait, il va s'agir de sous-peser les ruches et les ruchettes. Ici, vous voyez, c'est des ruchettes. J'ai déjà commencé là-bas, si j'arrive à faire ça, voilà. J'ai déjà commencé là-bas à contrôler un petit peu le poids. C'est les toits que j'ai mis en décalage là pour signaler qu'elles étaient un petit peu légères. Et après, je vais mettre le masque, la fumée, et on va aller regarder. Là, il est 10h du matin, il fait encore frais. Je ne pense pas qu'on j'ouvre des ruches pour visiter, c'est encore trop tôt. Je vous rassure, hein, à partir du 15 mars, on y sera tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Donc pour rappel, moi j'ai 300 ruches en production de miel. Là, j'en ai hiverné 265. Et j'ai aussi des essaims pour pallier la mortalité que je pourrais avoir, sachant que bon, je... J'en ai très peu, heureusement, et il y a aussi des non-valeurs, c'est-à-dire des colonies qui vont passer l'hiver, mais qui vont rester faibles. C'est souvent une mauvaise reine et tout ça. Et donc ça implique de remettre un essaim dedans, renforcer la colonie. Je vous montrerai. Donc là, on contrôle la nourriture. Il s'agit juste de sous-peser les caisses pour voir si le poids est là, si elles sont assez lourdes. Hein. Ça veut dire qu'il y a du miel, ou en tout cas de la nourriture. Et donc c'est bon. Attention parce que là, elles ont ramené, on a vu beaucoup de pollen et le pollen peut être lourd et donc être trompeur dans la façon de peser. La plupart des collègues professionnels utilisent un pesant pour voir un petit peu le poids de la ruche d'une façon plutôt précise. Hein. J'avoue, j'ai pas encore de pesant, je le fais à la main et en plus, la plupart de mes ruches, enfin les ruches ne sont pas standards. Ici, j'ai un plancher plastique, ici, j'ai un plancher en bois. Il y a 6 cadres, 5, 7 cadres, 8 cadres, et donc bah, puis j'ai besoin de ça, j'y vais, je les pèse. Alors je ne les soulève pas de 10 cm, vous allez voir dans d'autres ruchers où je fais les ruches, j'y vais tranquillement, je soulève d'à peine quelques millimètres. Si je vois que le poids est là, je ne la soulève pas, je dis c'est bon, elle est lourde quoi. Là tout de suite, je veux vous parler de la fumée. Vous reconnaissez le copain alors... Donc voilà, c'est reparti pour l'enfumoir. Alors pour l'enfumoir, j'espère que vous m'entendez, je parle un petit peu plus fort, j'ai éloigné la caméra. L'enfumoir, il est là. Si vous posez des trucs sur les ruches comme je le fais là, tranquillement quand vous posez, à chaque fois on envoie des vibrations, on les dérange quoi. Ou si on prend le toit d'une ruche pour le poser sur la ruche d'à côté. Tranquille les gens, tranquille. La paille, je la transporte dans un vieux sac en toile de jute là, ça me rappelle les temps immémoriaux. Donc une petite boule de paille, on en fout partout, moi j'aime bien, c'est vivant. Quoi. Hop, magie. On laisse prendre le bazar. Alors faites gaffe quand vous manipulez du feu et machin. Moi ça va, je vous ai dit dans l'est de la France, climat continental. Il fait froid l'hiver, chaud l'été, mais c'est très humide. Je risque pas de mettre le feu à la végétation comme ça. Hein. Faites gaffe si vous êtes dans le sud de la France ou quoi. Faire super gaffe. Voilà, hop, on pompe. Vous allez voir, j'ai raté. Ah, il va partir, mais là, ça sort, je pompe un peu beaucoup. Alors en général, le premier enfumoir, enfin dès que je viens de l'allumer, ça va se consumer très vite. Faire un petit lit de braise, enfin de braisotte, quoi. Après, je remets de la paille et voilà, ça marche bien. C'est parti. Alors pourquoi j'utilise la paille? Parce que j'ai appris avec ça, avec du foin, de la paille, voilà. On peut utiliser un peu tout ce qu'on veut. Par contre, il faut faire attention. Voilà, c'est parti. Il faut faire attention si vous utilisez du carton ondulé qui aurait contenu de la colle ou des choses comme ça. Faites gaffe de ne pas brûler de la merde pour envoyer ça sur les abeilles. C'est pas cool, quoi. Un autre petit truc. Eh ben les gars, allez-y doucement avec la fumée. Je vois des choses où on décolle le nourrisseur et... Vas-y, que je t'en fume le truc. C'est midi. Vas-y, que je t'en fume le truc et tout ça. Aussi, à l'entrée de la ruche, on envoie la dose de fumée, là. Tranquille, les gens. C'est des insectes qui font 0,1 g et qui respirent de l'air. Vous imaginez si on avait un enfumoir géant, là, qui nous souffle à la gueule? Non, mais doucement, les gens. C'est juste pour les tenir un peu, les abeilles. Si vous avez vraiment peur et que vous êtes obligé d'en fumer à fond,
je sais pas, ne prenez pas de ruche, quoi. Je sais pas, prenez des escargots ou un hamster, j'en sais rien. Donc, tranquille sur la fumée, quoi. Arrêter faire la sieste là, non, non, c'est pas possible quoi. Oh my. Un autre rucher, et là devant moi il y a une ruche dans laquelle j'avais mis un pain de candy, et je pense qu'elle l'a mangé, et on va regarder ce que ça donne et éventuellement lui en donner un autre. Alors je suis désolé, le soleil tourne un peu, donc je suis obligé de me mettre un petit peu en trois quarts devant la ruche là pour que vous ayez de la lumière. On enlève le toit, le couvre-cadre. Et là, il y a le... Alors ça, j'y gratterai, mais au printemps. Là, je le fais pas, je vais très vite et tout ça. Parce que normalement, on y enlève hein, toute cette... C'est de la cire, hein, simplement de la cire. Donc, il y a le nourrisseur à l'envers, parce que dessous, ici, là, j'avais mis un pain de candy, comme ça. Ça, j'avais fait ça il y a 3 semaines, un peu plus. Donc, voyons ce que ça a donné. Et bien voilà, donc, on a une belle colonie. Qui est sur le nombre de cadres suffisant, hein, pas trop et tout ça. Attention, il y a toujours des petites boules d'abeilles qui sont par là. Bon, aucun danger, je les laisse, elles retourneront à leur place. Donc on voit qu'il n'y a plus que ça comme candy, hein, plus que ça de nourriture. Donc je crois que je vais remettre un autre pain. Si je la soupèse, ah, elle n'est pas légère, ça va. Hein. Mais enfin, si elle a mangé tout ça, c'est qu'elle avait quand même un petit peu faim. Vous voyez, c'est pas très agressif, j'envoie juste un petit peu de fumée ici pour qu'elle descende et que je puisse manœuvrer. Donc là, on enlève le sac plastique et... Il y a un tout petit trou, on peut essayer d'agrandir le trou et de faire partir les abeilles. Tout doucement. Hein. Voilà, bah le trou s'est agrandi parce qu'elles-mêmes, elles y vont. Alors je vous rassure, il n'y a pas de mortes, je ne les écrase pas, tout va bien. Hein. Et ça vole une abeille, donc elle retourne directement dans le truc. Alors le petit morceau de sucre qui reste, déjà on agrandit là, pour qu'elles puissent toutes s'envoler. Voilà, allez. Le morceau de sucre qui reste, on va pas l'enlever, on va le laisser. Il est chaud, enfin il est chaud, il est tiède. Alors que là je t'ai coincé, hop, voilà, je la libère, elle vient là, elle va se faire nettoyer par ses copines. En l'occurrence c'est ses sœurs. Ce petit morceau de sucre là, on va le laisser. Par exemple, là le long là, voilà. Alors vous allez me dire, hey, mais attention, il y a un chat. Non, vous inquiétez pas, dans quelques heures il n'y en a plus, elles auront tout bouffé. Hop, ça je fais gaffe, je m'en mets plein les doigts, c'est vraiment fantastique, j'adore ça. Toujours avec le toit appuyé, là ça se voit pas trop, mais appuyé sur ma jambe, le fumoir entre les jambes pour avoir les deux mains libres. Je renvoie un petit coup de fumée pour les faire descendre, tout doucement. Oh, on les regarderait presque dans le ventre à celle-là, hein, non, ça vous dit pas? Pour regarder par exemple un cadre, celui-là, qui normalement devrait contenir du couvain. Je prends 2 cadres avant, je décale. Vous voyez, je serre pas à fond parce que là il y a les abeilles, elles sont pas écrasées du tout. Hein. Mais il faut bien, faut bien se libérer de la place. Là encore, je fais la même chose sur le cadre suivant et tout d'un coup, pour sortir celui-là, donc j'ai plein de place. Je le décolle tout doucement, gentiment et je lève tout doucement, gentiment. Voilà, en faisant attention de ne pas buter à gauche, devant, derrière, tout ça. On peut poser le cadre sur un coin ici.
est manœuvré, j'espère que ça se voit, avec une seule main ici. Donc on voit qu'il y a du couvain ici. Il y a quand même de la nourriture et du miel. Donc effectivement, remettre du candi, c'est peut-être exclu. Là, moi, je vois les œufs et la ponte. Donc, c'est plutôt beau, c'est calme. Enfin, c'est beau, quoi. Il y a plein de choses à dire. On le verra en saison. Là, il fait encore un peu frais. On est toujours au mois de février, hein. Et j'ai tellement de colonies à voir que aujourd'hui, je n'ai pas trop le temps. Si jamais vous prenez un dard sur la main ou... J'en ai un, là? Non, il m'a semblé en sortir un. Il faut pas pincer le dard que vous avez dans la main, parce que c'est vous appuyez sur la poche à venin et donc vous infiltrez le venin dans votre main. Ou là, vous êtes piqué. Ce qu'il faut faire, c'est avec l'ongle, gratter un coup comme ça pour enlever le dard. Mais je pense que ça reviendra dans toute la saison. Si on regarde ici... Voilà, vous voyez, ils sont déjà en train de le manger là, ici. Elle est en train de manger parce que forcément c'est une gêne pour elle, hein. Tout d'un coup il y a un morceau de sucre qui n'est pas à sa place. Donc effectivement je leur demande un petit effort, c'est-à-dire de nettoyer, de faire en sorte que ça traîne pas, mais c'est de la nourriture, elles sont toutes contentes, ne vous inquiétez pas. Hein. Qu'est-ce qu'on fait, on lui en met un? Ouais, c'est pas si lourd, hein. Là je la soupèse, je trouve que c'est pas si lourd moi. Allez, je renvoie un petit coup de fumée, j'ai dit... Petit, hein, gentil, c'est juste pour les faire descendre, pour pas les écraser. Je peux pas dire que je sois très agressé par ces abeilles là. Mon pain de candy, j'ai perdu mon lève-cadre. Ah, il est là, ok. Je fais un petit trou. On va le mettre comme ça. Donc je fais un petit trou de l'autre côté. Tac, tac. Vous voyez pas trop, mais c'est parce qu'il y a la marque. J'ai pas envie de faire de la pub. Et je le repose dessus. Et voilà. Le nourrisseur à l'envers comme il était, attention aux abeilles qui est la petite boule qu'on a vu qui sont en train de sortir. Voilà, voilà, on adapte bien. Hop, je l'ai trop reculé le pas qu'on dit. Voilà, pour pouvoir fermer correctement la ruche, toi sauf toi tu vas être enfermé. Voilà, et voilà, c'est fini. Alors là j'ai pris un peu de temps, mais ah, il y a une abeille, voilà, ça y est, elle s'est envolée. Donc là, temps d'intervention, normalement c'est vraiment une minute, voire moins, hein, quand ça fait quand même 500 minutes au bout du compte. Bref, on s'en fiche, j'espère que vous avez compris. Allez, je taille parce qu'il y en a encore un paquet à faire. Ciao. Their work complete, are headed back to the lab. Testing, 1, 2, Diane, it's 4:28 a.m. You should have something for us by now.